Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Postaro. Je tenais à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, toutes celles et ceux qui ont regardé, voire même liké l'une de mes vidéos. Sachez que ça m'encourage grandement et que ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, je tenais à tous vous remercier pour ça. Donc, sans transition, le tirage du jour. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Comment te perçoit-elle? Je te propose pour ce faire deux choix. Choix numéro 1, le bouton rouge. Choix numéro 2, le bouton gris. Je te rappelle que le timing de ces choix se trouvera dans la barre de description de la vidéo, la petite flèche à côté du titre. Je te rappelle aussi que tu ne dois prendre que ce qui fait écho en toi, que ce qui vibre en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi, choix numéro 1, toi qui as fait le choix du petit bouton rouge. Je vais le mettre là. Non, je vais le mettre là. Ce que je veux, c'est ma vidéo. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Choix numéro 1. On va tout d'abord aller voir les énergies de cette personne pour que tu détermines si c'est bien celle à laquelle tu penses. Ensuite, on va aller voir en quelle déesse cette personne t'imagine, quelles énergies elle te voit avoir. Parce que pour vous aussi, les garçons, ça peut marcher, hein. Ensuite, avec le Shosen, on ira voir ce qu'elle aime en toi. Puis, avec l'oracle, la puissance de la lune, ce que ça éveille en elle. Voilà, c'est les qualités qu'elle te ressent, ce que ça éveille en elle, quels sentiments ça éveille en elle. Ensuite, avec le Post-Tarot, on ira voir ce qu'elle aime un peu moins en toi. Toujours avec l'oracle de la puissance de la lune, on ira voir ce que ça éveille en elle, ses défauts. Et ensuite, ce qui peut éventuellement se passer entre vous. Comment la relation va-t-elle évoluer? Il peut très bien s'agir d'une personne que tu portes dans ton cœur, d'un ami, enfin voilà, d'un collègue. Donc les énergies de cette personne. La tortue avec le bestiaire. Éloge de la lenteur. Et le crocodile. Charisme. Alors les énergies de la personne à laquelle tu penses, c'est quelqu'un qui a une certaine force d'entreprendre, qui a un certain esprit de conquête, mais qui sait prendre son temps de manière à pouvoir se sortir d'éventuelles mauvaises situations. C'est pas quelqu'un qui fonce sans réfléchir. C'est quelqu'un qui en impose, qui a du charisme, de la prestance, qu'on regarde, qui attire l'œil quand il rentre quelque part, mais qui sait aussi aller à son allure de manière, pardon, à ne pas avoir à se retirer, enfin à pouvoir se retirer, pardon, de mauvaises situations. Ouais, je ressens vraiment quelqu'un qui sait attendre son heure presque aussi. Voilà, qui sait se montrer quand il faut, qui sait agir lorsqu'il faut. Voilà. En quelle déesse cette personne te voit, comment te symbolise-t-elle? Désolée hein, pour toi si tu es un garçon, mais ce sont des énergies, donc quelles énergies cette personne te voit avoir? Les énergies de Séléné. Séléné, dite la lunaire. Alors Séléné, je vais aller vous chercher, hop, la petite phrase qui va bien avec Séléné. C'est j'accepte les cycles de l'existence et me libère, pardon, de tous mes attachements. Donc, comment cette personne te voit? Elle te voit déjà comme une personne libre, libre de tout attachement, comme quelqu'un qui sait se laisser aussi porter par la vie, par ses intuitions,
Quelqu'un aussi qui a trouvé l'équilibre dans son quotidien. Quelqu'un qui accepte les cycles, donc qui accepte que tout change. Quelqu'un qui a compris, oui, qu'on fonctionnait par cycle aussi et qui est forcément très attentive à la lune, hein. Très réceptive à la lune, très intuitive, très... Ouais, oui, elle reçoit des messages très intuitifs. C'est comme ça qu'elle te voit, comme une personne très intuitive, très connectée. Très connectée donc à ton féminin, très connectée à ton intuition. Voilà, c'est comme ça que cette personne te voit. Alors, ensuite, quelle qualité? Je vais descendre un petit peu ça. Cette personne te voit. Avec le Shōzen. Le compromis, le maître renversé et les amoureux. Alors. Eh bien, les qualités que cette personne apprécie chez toi, c'est que tu es quelqu'un qui sait parfois faire des compromis, qui bon, arrive à ménager la chèvre et le chou, quitte à te perdre un peu, hein. Faut toujours faire attention quand on a cette carte de compromis. Enfin, ça, c'est un aparté, mais voilà, de ne pas trop ménager la chèvre et le chou, de ne pas s'oublier. Voilà, dans ces moments-là. Mais bon, bref, ça c'est un aparté. En tous les cas, cette personne, elle te ressemble comme quelqu'un qui arrive à faire des compromis, qui, voilà, qui arrive à faire des compromis. Comme quelqu'un aussi qui ne cherche plus son guide à l'extérieur, pardon, mais qui sait qu'il l'a à l'intérieur, qu'il est câblé, qu'il est connecté, quoi. Et ça, il aime beaucoup ça chez toi. Ce côté, à nouveau, intuition. Presque médiumnité, mais enfin, voire médiumnité, message, voilà. Et tu es quelqu'un qu'il aime énormément, en fait, qui lui fait chavirer le cœur. Voilà. Oui, t'es quelqu'un qui lui fait chavirer le cœur. T'es quelqu'un d'une grande bonté aussi, très certainement, qui est dans le don de soi, qui aime l'amour, qui sait en donner, qui sait en recevoir. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'il aime chez toi. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ça déclenche en elle, toutes ces qualités qu'elle te perçoit? La nouvelle lune en poisson. Bah, elle, ça lui permet de se libérer de ses anciens schémas, d'aller vers un renouveau. C'est comme si ça l'amenait vers une paix intérieure, vers une invitation à créer, comme si ben, cet aspect lunaire de toi, on le retrouve aussi là. Je sais pas pourquoi, mais elles se ressemblent, enfin, les deux croissants de lune se ressemblent, je trouve. Donc, c'est comme si tu étais son inspiration, c'est comme si ça. Voilà, de te regarder, toutes ces qualités-là, ben, c'est quelque chose que cette personne aimerait bien avoir. T'es son idole. Ouais, bon. Elle s'inspire de toi en tous les cas, tu l'inspires. Et tu l'invites à créer, tu lui fais penser que tout est possible en fait. Voilà. Alors ensuite, ce qu'elle aime un peu moins chez toi, avec le post-tarot. Alors, le 10 de bâton, le 6 de denier et le 9 de coupe. Le 9 de coupe, j'ai un peu de mal à l'interpréter comme une mauvaise carte. Donc, ce qu'elle aime un peu moins chez toi, c'est que tu es quelqu'un qui sans doute ne sait pas trop dire non. Parce que là, ils sont tous tombés à l'endroit. Le 10 de bâton, normalement, on sait que c'est savoir dire non. Mais là, c'est un petit peu ton défaut. Donc, on va les prendre autrement. Pour elle, tu es quelqu'un qui ne sait pas forcément dire non. Qui ne sait pas forcément mettre fin aux choses. Pour elle aussi, ben, ça va dans le même sens, tu es quelqu'un d'un petit peu trop généreux, tu vois, où tu vas tout de suite chercher à aider, à avoir des échanges précieux avec les autres, à recevoir, à donner, mais là, elle te sent plus dans le donner. Voilà, c'est ça qui parfois peut un peu
Pas l'agacer, ça va pas jusque-là, mais pour le savoir dire non, ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusqu'à l'agacer. Mais elle sait que c'est parce que t'as un cœur gros comme ça, quoi. Donc voilà. Et t'as une peur de manquer. Très certainement, t'as une peur de manquer qui parfois lui fait peut-être peur parce que ça peut être en reflet miroir avec toi, très certainement, hein. Si tu es en contact avec cette personne, il y a forcément quelque chose qui te parle en elle et vice-versa. Et voilà, c'est comme si, oui, t'avais peur de manquer, tu avais peur aussi de réussir. Parfois, pas tous les jours, pas tout le temps, mais parfois, t'as ce discours-là. Et parfois, ça peut l'agacer. Pourquoi ça l'agace? Pourquoi, qu'est-ce que ça éveille en lui? Qu'est-ce que ça éveille en cette personne? Alors, la pleine lune en Capricorne. Ben en fait, ça le fait se connecter à ses émotions. Oui, ben c'est ça en fait. C'est qu'il fonctionne. C'est que vous devez très certainement fonctionner tous les deux en reflet miroir. Encore une fois, on a la même forme de croissant de lune. Et c'est comme si tu l'aidais à travailler sa capacité d'empathie, à se redécouvrir elle-même. Parce qu'en fait, il a les mêmes défauts que toi. Cette personne, elle a les mêmes défauts que toi. C'est-à-dire qu'elle a peut-être du mal aussi à mettre fin aux choses, à savoir dire non. Elle porte les sacs à dos des autres, les fardeaux transgénérationnels, etc. C'est pour elle aussi. Voilà. Vous avez ce côté trop généreux, trop dans l'aide aux autres, trop peut-être dans le donner pas assez, dans le recevoir, ou pas de la bonne façon, un petit peu la peur de manquer, même la peur de réussir. Voilà, c'est. Pourquoi ça bah parce qu'elle voit voilà, en tes défauts les siens. Donc, ça l'incite à travailler et à se redécouvrir elle-même. C'est vachement beau, hein? Ensuite, avec The Wandering Star, Tao, oui, on a. Donc, c'est un petit peu pour voir. J'ai fait ma curieuse, c'était pour aller voir un petit peu sur quoi ça pouvait déboucher. Et voilà. Donc le cavalier de bâton, le chariot et la roue de fortune. Eh ben dis donc, si c'est pas une belle conclusion ça, si c'est pas trois belles cartes pour conclure. Alors le cavalier de bâton, c'est que bah, tous les deux en fait, ce qui peut se passer, c'est que vous êtes en quête tous les deux de nouvelles expériences ensemble. Voilà. Le fait d'être ensemble. Vous permet d'être en quête de nouvelles expériences. Pas forcément amoureuses, hein, ça peut être amical, vous pouvez, je sais pas, partir faire des nouveaux projets de vacances, des nouveaux pays, visiter des nouveaux pays, etc. Ça, voilà, c'est ouvert, c'est large, ça peut même être professionnel. Donc, ensemble, en tous les cas, vous êtes en quête de nouvelles expériences, de nouveaux terrains. Voilà, vous vous montrez plus téméraire, quoi, à deux, en fait. Et le chariot, bah, c'est le succès, c'est l'épanouissement émotionnel. Je dis professionnel, mais professionnel aussi. C'est-à-dire que à deux, vous pouvez faire de grandes choses, vous pouvez vous épanouir dans n'importe quel domaine que cela puisse toucher votre relation. Et à vous deux, en fait, c'est comme si les horizons s'élargissaient vers l'infini. Et la roue de fortune, bah, ça peut soit indiquer si réellement c'est une relation sentimentale et amoureuse, on va dire, que cette personne, eh ben, elle t'est prédestinée. C'est un amour prédestiné, hein. Et si vous n'êtes pas ensemble, ou si il y a un changement magnifique en tous les cas qui est en train d'arriver, que tout ce que vous avez mis en place tous les deux au niveau de votre intégrité va être récompensé. Là, vous avez le succès. Je dis vous parce que vous êtes deux, je peux plus tutoyer quoi. C'est vraiment là, je vois tous les deux ce que vous êtes capables d'être. Enfin, quelle belle relation vous pouvez avoir tous les deux. C'est vraiment très beau, très très beau. C'est vraiment un changement magique hein, d'avoir quand même un petit peu la roue de fortune. C'est la destinée, c'est voilà. Quand on a bien travaillé, qu'on a tourné la roue dans le bon sens et qu'elle se déclenche, on se dit waouh! Là, c'est un peu ce qui arrive, c'est waouh!
On est vraiment au moment du film où ça se passe le mieux possible. Voilà, on est au climax du film en fait. Et c'est vraiment superbe ce que tu pourrais éventuellement faire par rapport à cette relation. Choix numéro 1. Eh bien, j'espère que ce tirage t'aura parlé. En tous les cas, moi, j'ai aimé te le faire. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je t'invite à liker, à partager, voire même à t'abonner avec la petite cloche. À bientôt! Bienvenue à toi, choix numéro 2, toi qui as fait le choix du petit bouton gris. Je te pose là. Alors, comment cette personne te voit, te perçoit? On va tout d'abord aller voir avec le bestiaire de pose deux cartes pour voir l'énergie de la personne à laquelle tu penses, si tu la reconnais. Ensuite, avec l'oracle des déesses, comment elle te voit, sous quelle forme de déesse, avec quelles énergies de déesse elle te voit. Puis, avec le show, on ira voir quelle qualité elle aime en toi, ce qu'elle aime en toi, pourquoi elle aime ça en toi, ce que ça éveille en elle. Ensuite, avec le pose tarot, on ira voir ce qu'elle aime un peu moins en toi. Donc, avec l'oracle, la puissance de la lune, on ira voir pourquoi elle aime un peu moins ces choses-là. Parce que ça éveille en elle aussi. Et enfin, avec le Wandering Star Tarot, c'est mon accent anglais qui me fait rire. Et je te propose d'aller voir le devenir de cette relation. Voilà. Comment l'évolution de cette relation, comment cette relation, elle peut évoluer. Alors, un petit peu de rangement que je vais déranger dans 5 minutes, mais bon. Donc, les énergies de la personne à laquelle tu penses avec le bestiaire de pose. Tu as le canard, symbole de renaissance. Le canard, numéro 13. Et tu as le sanglier, symbole de passage à l'action. Alors, les énergies de cette personne. Ben, cette personne, c'est quelqu'un qui, en ce moment, est en train, dans sa vie, d'essayer de passer à l'action sur un domaine, c'est-à-dire de mourir pour mieux renaître, de détruire pour assainir. C'est quelqu'un qui est en train de se confronter à ses réalités aussi, qui cherche à avancer, qui cherche à ne plus procrastiner. Puis qui se dit que de toute façon on peut pas arrêter, enfin, éviter l'inévitable, c'est pas possible, on est obligé d'y aller. Et voilà, c'est une personne qui est en pleine renaissance, avec des débuts un petit peu timorés de passage à l'action. Voilà, un petit marcassin quand même là sur le coup, plutôt qu'un sanglier. Ensuite, comment cette personne te voit? Quelles énergies de déesse cette personne à laquelle cette personne, pardon, t'identifie? J'ai un peu bugué là, j'ai un peu bégayé. Alors, Maat, la justesse sacrée. Bel équilibre en tous les cas. Je vais aller te lire la petite phrase qui symbolise Maat dans le livret de l'oracle des déesses, pardon, j'allais dire des sorcières. Alors, Maat. J'exprime ma vérité afin que la justesse soit restaurée. Voilà, donc tu es quelqu'un d'excessivement positif. C'est comme ça qu'il te voit, que cette personne te voit. C'est-à-dire d'une personne diplomate, qui sait être diplomate, qui détient une certaine connaissance, une certaine sagesse, et qui sait donc... Qui est même pleine de sagesse et donc de justesse, et qui sait, comment dire, exposer son point de vue, mais en prenant en compte ceux des autres. Voilà. C'est quelqu'un vraiment de diplomate, qui a abandonné toute culpabilité, toute honte. Elle sait ce qu'elle vaut,
Voilà, c'est comme ça qu'elle te voit, comme quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, qui a abandonné toute culpabilité, toute honte, qui ne se fait pas marcher sur les pieds, hein, ça fait partie de ma hâte aussi, et qui est, oui, excessivement juste, qui essaie d'être le plus juste possible avec les autres, et qui est doté d'une grande, grande sagesse et d'une grande diplomatie. Elle te voit pleine de lumière, je vois toutes les petites étoiles qui brillent là autour de Matt. Et elle te voit pleine de lumière, pleine de petites loupiottes, comme on dirait ici, mais pleine de petites lampes. Voilà. Alors, avec le Shosen, qu'est-ce que cette personne aime chez toi? La maturité, la paresse et le créateur. Bon, bah, les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est que pour elle, tes qualités, c'est que oui, tu es quelqu'un de mature, qui sait écouter son intuition, qui sait écouter les autres, qui sait, bah, comme les énergies de Maat, en fait, c'est-à-dire qui sait exposer son point de vue tout en laissant de la place à ceux des autres. Voilà, c'est quelqu'un aussi d'ouvert, de mature. On n'est pas obligé d'être vieux pour être mature, hein. C'est un état d'esprit. Donc, c'est quelqu'un de mûr au niveau spirituel, au niveau émotionnel. C'est comme ça, en tous les cas, qu'elle te voit comme quelqu'un de mûr, d'appoint. Quelqu'un aussi qui sait prendre le temps, parfois quand il faut, de profiter des beaux moments. Voilà, plus que la paresse, là, c'est plus de la détente. Tu es quelqu'un qui, pour lui, pour elle, sait se détendre, sait profiter. C'est s'accorder des moments de pause. Et tu es quelqu'un aussi que cette personne voit comme très créative, avec un feu sacré en toi, quelqu'un de très lumineux, encore une fois, de très créatif. Voilà, avec une énorme boule de feu à l'intérieur. Voilà, t'es pleine d'idées pour cette personne. Alors, qu'est-ce que ça évoque en cette personne, qu'est-ce que ça réveille en lui, en elle? Alors, la pleine lune en Gémeaux. Bah, elle se dit, par rapport à tes qualités, ce que ça lui dit, c'est que en fait, bah, que ça arrive pas qu'aux autres de rencontrer des personnes comme ça dans sa vie. Parce que ça peut être dans ta vie sentimentale, amicale, professionnelle, mais ça n'arrive pas qu'aux autres de rencontrer d'avoir une relation qui se crée comme ça avec quelqu'un et on ne sait pas pourquoi. Et c'est magique et ça va donner un nouveau tournant dans ta vie, dans n'importe quel domaine que ce soit. Voilà. Tu vas plus. Enfin, cette personne-là, quand elle voit les qualités que tu possèdes, elle se dit, bon, en fait. Si ça existe quoi, c'est pas que pour les autres. Pour moi aussi ça existe. Et voilà, le prototype parfait en fait, les qualités que j'adore, bah si, il y a quand même quelqu'un qui arrive à réunir tout ça et c'est toi pour lui, pour cette personne, pour lui, pour elle. Ouh. Ensuite, qu'est-ce que cette personne aime un peu moins chez toi? Le 7 de bâton. J'ai un trou. Et le 2 d'épée, ça va me revenir. Alors, je continue la tempérance. Voilà, je savais que ça allait me revenir à peine plus loin. Donc, désolé pour le petit couac. Bon, c'est du direct. Hein, one shot. Donc, qu'est-ce que cette personne aime un peu moins chez toi? Ben, c'est que parfois, comment? En fait, je vais plutôt les mettre dans ce sens-là. Déjà, j'arriverai mieux à les lire. Et puis, ce sont des défauts, donc je vais les lire en tant que tels, comme on avait fait avec l'Osho. C'est que tu es quelqu'un, voilà, qui défend ses positions. Tu es quelqu'un d'un peu têtu, peut-être. Voilà. Parfois, tu peux aussi être un peu trop diplomate, tomber un petit peu trop dans la diplomatie de Maat. C'est-à-dire qu'à force de vouloir relier les contraires, des fois, ça ne marche pas.
Donc ça peut il peut le voir de très très loin et du coup ça peut l'abuser ou ça peut mais voilà, c'est quelque chose qu'il aime un peu moins. Et ensuite, ce que cette personne aime un peu moins, c'est que tu es quelqu'un qui te prépare toujours au pire avec le 2 d'épée. Qui est toujours ou alors qui est toujours coincé entre deux idées contradictoires, voilà, mais que tu défends, hein, on l'a vu voilà, avec entêtement, hein, même si tu as tort, tu y vas quand même. Voilà. Parfois, tu peux, pour lui avoir, ou pour cette personne avoir tort, mais toi, tu vas bien, bien défendre cette position quand même, hein, même si. Donc, parfois, ça peut l'énerver. Et oui, voilà à peu près tout ce que j'essaie de regarder. Ouais, t'as quelqu'un qui tient tête, en fait, et ça, parfois, ça l'énerve. C'est ça qui est, c'est rigolo. Voilà. Mais dans n'importe quelle relation, que ce soit professionnelle, tu vois, tu peux être têtu, tu peux, voilà. Tu vas tout faire pour rester, tu, voilà. Et voilà, ton côté est un petit peu diplomate, parfois l'agace aussi. Alors, qu'est-ce que ça éveille en cette personne-là, ces petits défauts qu'elle te perçoit? Quel reflet miroir cela a sur elle? Comment ça résonne en elle, en fait? La lune disséminante. Ben en fait, ce que ça déclenche en elle, c'est que quand tu es comme ça, dans cet entêtement, quand elle ressent ces défauts-là, venir dans une discussion, dans une négociation, etc., ben elle lâche prise. En fait, ça lui amène à travailler sur son lâcher-prise. C'est-à-dire que. Non, parce que sinon, ça. Elle pourrait s'emporter en fait. On sent du rouge, on sent de l'action, donc elle pourrait s'emporter du solaire. Donc elle prend sur elle, on va dire, et elle travaille son lâcher prise. Elle essaie d'être dans l'instant présent, voilà. Et quelque part, toi, quand tu es comme ça, ben tu la sors de sa zone de confort parce que tu l'obliges justement à lâcher prise. Et c'est pas l'habitude, c'est pas ses énergies en tous les cas. Là, elle n'est pas dans le lâcher prise, elle est dans le passage à l'action. Même si c'est timide, elle est dans le passage à l'action. Donc elle est. Voilà. Donc parfois, ses défauts lui permettent de lâcher prise. Ensuite, quel avenir cette relation peut avoir? Je les prends tout à l'endroit. Voilà. Oh, j'adore. Bon, sans spoiler, hein, les deux choix, vous avez une super, super, super relation, un bel avenir de relation, que ce soit professionnel, sentimental, amical, émotionnel, ce que vous voulez. C'est très chouette, c'est guidé, cette rencontre, elle est belle, elle est chouette en tous les cas, celle que vous avez faite tous les deux, toutes les deux. C'est une rencontre qui vous amène à une nouvelle abondance à deux, en fait. Voilà, même si c'est professionnel, même si ce n'est qu'amical aussi, et encore plus si c'est sentimental, il y a un succès, il y a une comme si on découvrait des nouvelles facettes de l'un l'autre, de soi-même. Il y a des opportunités qui vont se présenter, il y a comme une chance, quoi, en fait, comme tout roule. En fait, quand vous êtes ensemble, tout roule. Vous êtes en paix, vous êtes tranquille, tout roule, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci majeur. Et vous êtes, enfin moi c'est comme ça que je vois le 9 de bâton, un soutien l'un pour l'autre. Quel que soit, vous êtes un soutien l'un pour l'autre. Vous êtes un facilitateur de paix l'un pour l'autre. Ouais, on retombe dans le lâcher-prise là, un petit peu avec, pour moi avec l'as de coupe, c'est ce que vous vous apportez, un équilibre, un bien-être et un soutien, quoi. Un soutien l'un pour l'autre. Quand l'un va mal, l'autre est là, et vice-versa. Et quand l'un va bien, l'autre aussi. Donc, c'est très, très beau. Très, très, très beau. Et c'est d'ailleurs ce qui met fin à ton tirage, choix numéro 2. J'espère que cela t'aura parlé. En tous les cas, moi, ça me fait très plaisir de te le faire. Donc, si tu as aimé, ben, je t'invite à liker, à partager, voire même à t'abonner avec la petite cloche. Sinon, je te dis à bientôt.